12 ans d'écart mais pas moins fusionnel. Alison Paradis n'avait que 3 ans lorsque la carrière de Vanessa a explosé avec son tube Joe le Taxi. Si l'intéressée a parfois subi les foudres des Français, quid de sa petite sœur? La notoriété de Vanessa Paradis a-t-elle eu un impact sur Alison? Invitée de l'essentiel chez Labro ce dimanche 22 janvier, celle-ci s'est confiée avec sincérité sur les conséquences que la célébrité de sa chanteuse et comédienne de sœur a pu avoir sur son enfance. Je n'ai pas vraiment souffert, affirme cette maman de 2 enfants. Toutefois, elle précise que cela n'a pas été simple tous les jours. Et ce, en particulier à l'école parce que les enfants sont assez cruels. Ainsi, elle pouvait se prendre des réflexions désobligeantes par pure gratuité. Notamment après certains films où elle a pu avoir une image un peu sulfureuse, forcément, c'était sur moi que ça retombait, déplore Alison Paradis, avant de nuancer, mais ça m'a endurci. Je n'ai jamais un élément de souffrance réelle parce que je suis hyper fier de ce qu'elle fait et que si est-il aussi mon tempérament de ne pas m'être mis dans cette position, poursuit la comédienne. Cela n'a visiblement jamais affecté leur relation, puisque les deux sœurs sont toujours autant proches l'une de l'autre. Vanessa et Alison Paradis sont-elles proches? Nous sommes très fusionnels. Je pense que ça peut être compliqué pour les gens autour de nous, avouait la chérie de Guillaume Guy dans les colonnes de Gala. De l'extérieur, on rentre dans un clan. Je suis arrivée tard, mais j'étais une enfant désirée et très attendue par toute la famille. Ma sœur a été très présente et a porté un regard bienveillant sur moi. Mes parents, eux-mêmes, ne se comportaient pas comme des fans avec elle. Je n'ai pas grandi avec Vanessa Paradis la star, mais avec ma grande sœur, assurait-elle. Qu'importe la carrière de l'une et de l'autre, Vanessa et Alison Paradis savent qu'elles pourront toujours compter l'une sur l'autre. Une relation totalement saine dans un univers parfois complexe.